Nous sommes le 31 décembre ce soir, c'est le réveillon. Il est midi 14, je vais faire une petite salade, la salade, poulet et mozzarella, filet d'huile d'olive, c'est tout. Concernant ce soir, que faisons-nous? Il va pas grand chose. Je suis pas très 31, Covid, pas Covid, enfin c'est même pas le truc. Hein. Faire la fête parce qu'il faut faire la fête, ça me saoule un peu. On va aller quand même dans une petite ville qui est pas loin de chez nous, une vingtaine de kilomètres, parce qu'on avait repéré l'année dernière un traiteur. Donc on va se faire un petit truc, genre un muse-gueule, machin, jusqu'au dessert. Je vais aller en tout début d'après-midi dans une parfumerie, là où j'ai eu mon petit bon cadeau. Je vais aller voir un peu, faire du repérage, voir si je me prends quelque chose avec la carte, cadeau. Et ensuite, je rejoins ma maman en ville dans une bijouterie. Pour Noël, elle a eu un petit bon, donc elle doit choisir un bijou et je vais aller avec elle pour l'aider à choisir. Oui, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Vu que la parfumerie se trouve dans un centre commercial, je crois que je vais faire un petit tour et je vais prendre des fruits. J'ai envie de fruits en ce moment, le matin, plus même au goûter. J'aime bien faire moi-même couper salade de fruits, putain les cheveux, la fille qui passe du coq à l'âne, vous avez vu un peu les racines? Waouh! Parce que là, je me suis retrouvée sans rien, genre acheter des petits litchi, des mangues, des trucs comme ça. C'est fait. Ça te dit qu'on jette, on fait le 31 tous ensemble? Oui? Attendez, est-ce que vous allez me voir? Franchement, c'est le parcours du combattant, j'ai pas encore rangé tout. Oh. J'ai mis les bottes de chez Bershka là, que j'ai eu à Paris. Je crois que la vendeuse me l'a un petit peu mise à l'envers. Parce que je lui ai dit, au moins c'est pour les porter avec un slim, c'est impossible. Déjà avec un legging, le truc il remonte. Mais bon, bref, c'est pas grave, ça rend quand même bien. Ah, voilà pourquoi, je me souviens, je mettais plus les petits bandeaux. Parce que c'est chiant avec les lunettes. Il doit être pas loin de 13h, donc je file, comme je vous ai dit, à Leclerc. Je pense que ça va être blindé. Si vraiment c'est trop blindé, je ferai demi-tour, même si là où je vais... Non, ce que je voulais dire, c'est que si c'est trop blindé, je n'irai pas chercher mes fruits. Voilà, donc je suis devant chez Leclerc. Évidemment, il y a du monde, mais ça va. Peut-être que c'est l'horaire qui fait que c'est cool. Et je me dépêche, parce que j'ai dit à ma maman, genre dans une demi-heure, trois quarts d'heure, rendez-vous en ville. Alors, est-ce que je prends du maquillage ou du soin? Parce que le soin, j'adore. Au niveau soin, j'ai quand même pas mal de choses. Donc si je devais prendre du soin, ça serait un contour des yeux. Ou alors, je me prends un petit maquillage. Attends. Allez vous me voir, je sors de la parfumerie. J'ai trouvé des petits trucs très sympas, je montrerai à la maison. J'ai chaud avec cette doudoune, en fait il fait trop doux. J'aurais pas dû. Donc vu qu'il n'y a pas trop de monde, je crois que je vais aller acheter les fruits. De retour, j'ai une touffe. Ça je vous montrerai après parce que là il faut que j'enchaîne et que j'aille... Mais je me suis bien fait plaisir avec la carte cadeau. J'ai décidé que j'allais commencer l'année donc demain en mangeant une mangue. Donc j'ai trouvé la petite mangue, j'ai pris également des litchi. Elle m'a l'air pas mal, elle est un petit peu molle. J'ai pris quoi d'autre? Comment? Ça va? Oui ça va bébé. Après on file... Oh bébé, toujours tu mets des noix. J'adore les noix. Donc ça on s'en fout mais j'en avais plus. Je me suis pris un eyeliner, mais j'ai pas voulu le prendre avec ma carte cadeau. Mettre une certaine somme dans un eyeliner, alors qu'il y en a qui font le job, L'Oréal notamment, il est bien. Pareil, mascara, j'en ai plus. Je fais les fonds de tiroir et c'est pas bon parce que tu fais des va-et-vient, c'est pas terrible. Donc j'ai pris celui-là, il est bien. L'Oréal, le Lash Paradise. Et c'est tout. J'ai dû changer de veste, ce qui fait quand même très lourd. Je suis soufflée. J'arrête pas, moi qui voulais faire rien faire le 31 pour être zen. Je me crée des stress. Tu vas bien, maman? Ouais. Elle était là avant moi. Tu as repéré quelque chose? Plein. C'est vrai? C'est beau. Non, mais de toute façon, t'as une petite carte cadeau. Franchement, il y a des trucs jolis, la marque Zag notamment. Oui. De toute façon, on va rentrer. Hein. T'as vu qu'il y a aussi Pandora, mais je crois que t'es pas très. Non. Ça, c'est les petites charmes. Même taille, hein. Avec les. D'accord. Elle est très belle. Bon, je suis rentrée de la bijouterie, vous avez vu, parce que je sais plus si il y avait de la musique ou pas. Elle a pris la montre, super jolie montre, vraiment. En plus, elle a un nouveau modèle et la bague également. Tu vas chanter longtemps comme ça? Je me suis attachée les cheveux, j'ai eu trop chaud. Et là, on file, on va dans la petite ville, là, chercher notre traiteur, en espérant que ce soit ouvert. Sinon, nada pour ce soir. C'est qu'on soit ensemble. Oh oui, l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble, c'est vrai. On est arrivé chez le traiteur, il y a plein de monde. Il y a un craquage chez le traiteur. Il ne s'arrête plus, il y a plein de choses trop sympas. Vraiment. T'as vu, tu peux t'en prendre des... Oui, donc nous sommes à côté maintenant. Eh bien écoutez, je vais vous en prendre une comme ceci.
Je prends de la spéciale maison. Ah. En blanc. Bavaroise vanille avec des pommes caramélisées sur un cocon spéculoos. Oh. Écoutez, je vais vous en prendre aussi une petite bûchette comme ça, on va goûter. Allez, je pense qu'on va se régaler là. On est chez un caviste pour prendre une petite bouteille pour accompagner. Il y a du caviar. On a pris aussi ça. C'est un peu de la brioche, on l'a fait trancher demain matin. L'intérêt du sens du fruit, c'est que ça permet d'avoir des vins en fait qui vont peut-être avoir un peu de degré d'alcool, mais qui vont pas être puissants. Et surtout, quand tu es migraineux, le sulfite, c'est bien de l'éviter. Mais c'est pour ça que c'est demandé pour toi. Il y en a naturellement dedans, mais ils ne rajoutent pas. Oui, alors là, vous voyez, par exemple, vous avez, ils disent 20 sans sulfite ajouté, SO2 total, 5 mg. Donc c'est rien. Je me rends pas compte. C'est par... rien. Et bien justement, comparé avec un vin classique. 100 grammes, ah oui, 100 mg. Et là, il y en a 5. Ouais. Ah oui, effectivement. La dégustation de caviar, c'est à quelle heure? Malheureusement, il n'y en a pas. Ah bah bravo. Je vous montrerai ce soir hein, quand je préparerai, quand je ferai réchauffer, parce que oui, je vais rien préparer. Ça, je me demande si je ne le rends pas demain. Parce que je sais qu'elle m'a mis plein de petits trucs sympas. Ouais, si, je vais vous montrer maintenant. Je me mets ici, au fil qui a encore un peu de lumière. J'ai vu qu'elle m'a mis plein de petits trucs. Et je commence par ça. Voilà, déjà. Regardez comme il est magnifique. Il est en velours, prune. Alors, on est bien ou pas? On est pas mal. Hein. Je me suis pris une palette 5 couleurs Dior, mais c'est une palette avec 5 couleurs que je vais à coup sûr utiliser. Ah, le boîtier, bah, il est beau. Est-ce que vous allez bien voir? On a des mats, on a des brillants. Ça, c'est une couleur que j'utilise tous les jours, donc tu l'intensifies plus ou moins. Donc c'est un mat marronné, on a du marron plus clair, on a la base un peu rosée, on va dire, le gris, j'adore. Très très beau. Et vous avez vu, 4 petits tambours. New Look 599. Je vais vous faire un swatch. Donc on commence par celle-ci. La plus foncée. Waouh! La taupe, je fais attention pour ne pas trop enlever. Voilà. Celle-ci irisée. Elle ressortait super bien avec les projecteurs là-bas. Et celle-ci qui est un peu rosée, j'ai envie de dire. Bon, on la voit à peine, mais ça fait des reflets. Le mieux, c'est que je vous fasse carrément un petit make-up demain ou après-demain. Je me suis pris le top chrono effet lift en 60 secondes du contour de l'œil zone regard Clarins. Le top. Et apparemment, ça vient vraiment reconstruire, ça hydrate, ça tend l'œil top top. Donc de toute façon, je vous ferai un retour. Je vais commencer à l'utiliser dès ce soir. Ça, c'est les deux choses que je me suis prise avec la carte cadeau. Et je vous dis, elle a mis pas mal d'échantillons, donc c'est comme ça. Il me semble qu'il n'est pas très très vieux ce produit. Elle m'a mis également ça, ce sont des patchs pour les yeux. Shiseido, hyper efficace. Elle m'a mis également ça pour venir nettoyer mon visage. Un primer de chez Clarins, donc le primer c'est ce que tu mets avant de te maquiller. La nouveauté Clarins fond de teint, donc je suis très contente. Ils ont refait apparemment ce que je l'avais déjà testé et ils l'ont reformulé. Donc je vais tester et à côté nous avons le Flawless, donc ça doit être Everlasting, un concealer. Je vais me poser, je vais commencer à m'avancer sur le montage du vlog et après, bah, tranquillement, je vais préparer les deux, trois petites choses à manger, enfin à faire chauffer. 19h, j'arrête, j'étais sur le montage et Eric est venu me voir, il fait, et 19h, ça sent l'apéro. J'ai bien avancé. Est-ce que... Oh non, franchement, flemme. Hein. J'ai pas envie de me saper, on va rester là, on se fait une soirée cocooning. Certes, on va bien manger, mais bon. Sauvegarder tout ça et on s'en va. J'ai mis ma tenue de gala. Je me suis pas habillée, c'est grave. Bon, je vous montre ce qu'on a trouvé chez le traiteur. On s'est pris pour tous les deux ça, donc je vais faire chauffer au four. Hein. Il y a la petite sauce. Pour mon entrée, j'ai pris c'est des perles de mer avec des crevettes. Ça avait l'air super bon. Eric, qu'est-ce qu'il s'est pris? Oui, parce que moi, par exemple, ça, j'aime pas les nems et tout, donc ce sera un peu son entrée. Je me suis pris fondue de poireaux, j'adore ça. Et j'ai pris également des tagliatelles aux crevettes. Eric s'est pris un chapon avec, je crois, ce sont des marrons. Et en plus, il a pris des pommes grenailles. Et j'ai pris également, alors je crois que c'est une tarte tatin aux cèpes et aux poireaux. Et ça, c'est une tarte aux pommes de terre. Ça a l'air très très chouette. La bouteille de vin rouge sans sulfite pour goûter.
et les desserts. Donc moi, c'est un croquant chocolat, il y a trois chocolats. J'aime bien quand il y a des couches un peu croustillantes, fondantes et tout. Ça, c'est celle d'Eric du milieu, et celle-ci, bon, dégustation quoi, pour nous deux. Je vais tout installer et je vais vous dire à demain. Je pense que je vais enchaîner sur la journée de demain pour clôturer et puis vous souhaiter la bonne année. Donc je vous laisse, à tout de suite. À tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ça va bébé ? Oui, nous sommes le lendemain, ce qui veut dire le 1er janvier. Bonne année à tous, évidemment. Vous l'aurez certainement vu dans le titre. Et Eric, il va parler à chaque fois que je filme. Oh non, mais toi aussi ! J'en peux plus. J'ai passé une soirée, Eric, on va dire demi-teinte. Est-ce qu'on en parle du traiteur? Parce que sur le papier, très honnêtement, ça me donnait tellement envie. La fondue de poireau qui était en fait, je me suis trompée, c'était pas de la fondue de poireau, c'était de la crème fraîche au poireau. Parce qu'en fait, tu n'as pas le goût de poireau, c'était une espèce de liasse. Je ne comprends pas qu'on puisse faire une telle chose. Alors dans ma tête, moi j'adore les poireaux vinaigrettes, je sais, ça n'a rien à voir. Mais là, quelle idée. Donc vu que ça a coûté quand même une cinquantaine d'euros, j'ai dit Caro, prends sur toi, mange-le, ça va aller. Ensuite, je suis passée au tagliatelle aux crevettes, crème fraîche au tagliatelle. Rien que d'en parler, je... Quant aux petites tartes, on est d'accord qu'elles avaient l'air également super bonnes, que du beurre. C'est-à-dire que tu prenais une mâche au niveau de la pâte, tu sens que c'est du beurre qui a... Je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas du tout habitué à manger gras comme ça? Les plats en sauce, bon, moi, c'était pas en sauce. Eric, lui, il était en demi-teinte, hein, parce que... Pareil, pour lui, c'était compliqué, il était pas bien. Donc, je sais pas si c'est le vin, il sait pas si c'est le vin ou si c'était son plat en sauce. Oui, comme je disais, on n'est pas du tout habitué à manger traiteur. Donc déjà, traiteur, c'est une fois dans l'année. L'année dernière, c'était pour le 31. Je cuisine pas au beurre. Je mets pas de crème fraîche ou alors des fois, une petite légèrement de la crème fleurette. C'est pas possible. Il y a des gens qui mangent comme ça, traiteur, tous les jours. En plus, ça coûte un bras. Mais surtout, c'est pas digeste du tout. C'est pas possible. Tu sens que là, je sens que mon foie, il a été attaqué. Et donc, je suis hyper contente d'avoir tout ça. Donc pour la nouvelle année, en plus de vous souhaiter les bons vœux, je vais vous montrer comment on coupe une mangue. Tout ça pour vous dire qu'à 23h, oh, peut-être même 22h40, j'étais dans mon lit parce que ça ne passait pas. Forcément, en plus, quand je mange gras, j'ai pas trop le droit de manger gras, donc ma hernie, elle n'est pas contente du tout. J'avais mal, donc j'étais au lit. Et bon, bah voilà, Eric, c'était pas mieux. Je sais même pas, est-ce qu'on s'est souhaité la bonne année? Ouais, peut-être plutôt ce matin. Donc c'est pas si évident que ça hein, de couper, on a un noyau dedans. On va déjà essayer de couper comme ça, il faut identifier où est le noyau. Ça, je peux vous dire que ça me donne envie. Et je fais la même chose, donc je mets l'épaisseur d'un doigt. Voilà. Donc on a deux lamelles comme ça, et évidemment toute cette partie, bah on la récupère. Hop, pas de gâchis. Eh bien, on vient faire à l'intérieur... comme un quadrillage, n'hésite pas, et pareil dans l'autre sens, on vient la retourner. Alors j'aurais peut-être dû la couper plus pour que ça fasse des plus gros cubes, vous voyez, hop, hop. Et voilà, d'ailleurs ils présentent comme ça souvent dans les assiettes. Il n'y a plus qu'un maintenant, et je vais faire ma salade, voir monter. Je monte parce que je vous ai dit, nous sommes le premier, et je vais donc publier cette vidéo le premier, c'est-à-dire qu'il me reste un petit peu de temps pour vous mettre tout ça en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de nouveau de passer une très belle année, et on se retrouve très vite pour la suite des vlogs ou des vidéos.